ma in realtà le scelte politiche vengono iscritte nei trattati e quindi sottratte alla possibilità di essere scelte con una decisione democratica. È un modo per svuotare di potere gli strati democratici e spostare il potere a un livello che non è sottoposto a voto, ma è gestito attraverso le regole del diritto privato, ISDN. Secondo me l'Unione Europea funziona esattamente nello stesso modo dei trattati, cioè c'è un modo per spostare il potere, non è il fascismo, non è la distruzione della democrazia, ma è lo svuotamento del potere della democrazia ponendo il potere ad un livello sottratto al suffragio universale. Secondo me c'è una connessione, quindi chiedevo per sapere se Monica concorda su questa cosa, che è una porta. E secondo me c'è una connessione tra questo e il rapporto tra forme di golpismo bianco, di forzatura delle regole e gestione dell'opinione pubblica attraverso il monopolio dei mass media, che invece caratterizza il golpe in Brasile, caratterizza l'attuale situazione dell'Ecuador. Cioè, secondo me sono due aspetti della stessa medaglia. Uno è lo svuotamento della democrazia spostandolo su un livello fuori dalla sovranità popolare, e l'altra è il monopolio dell'informazione che permette di fare dei colpi di Stato, come nei fatti è avvenuto in Brasile, facendo finta però di rimanere sul bordo della democrazia. Mi sembra che questa qui è la crisi della democrazia, che non riguarda, in questo senso i trattati e l'America Latina sono due facce della stessa medaglia, ma che valgono anche per l'Europa. Hedonism
excess, abuse of women, the dismissal of science, building up of patriarchy, and neglect and abuse of children. It's these are taken for granted, and they're done to show the power of these people. So the section of capitalism gained from privatization, they gained from the hedge funds, from unmitigated free trade, and in the reduction of workers' rights. They're deploying in Britain to an amazing level. The control of the media, both mainstream media and social media. They're spreading repeated lies so people believe the lies. Jeremy Corbyn has been an anti-fascist and a fighter against anti-Semitism since the 1970s, and yet the BBC continuously describe him as being anti-Semitic, and people are beginning to believe it. They use social media in a ramped up and organized way to push the most reactionary ideas, and they succeed. They manage to make the Brexit Party, which isn't even a political party, it has no internal democracy, they manage to make that the biggest vote in the European elections. We believe that and now the anti-Semitism accusation against Jeremy Corbyn is being referred to a semi-judicial force, where if they find against him, it will be very hard for him to stand as the leader of the Labour Party in the election. So the model, we think they've taken the model from Latin America and they're bringing it into Britain. Now, of course, they've not yet won. Of course, the social forces that can combat them are still very strong, and we can hopefully mobilise against them. But this change in capitalism, if they succeed, will be as big a change as when Thatcher introduced the changes she did in Britain. The changes will be as profound, and we will see a severe drop in living standards for most people in Britain. So we learned from you in Latin America. We really want to see that we can learn some more to try and make sure that we win something back. But I do want people to think in terms of this is a change within capitalism. Thank you. Bon, Roberto, le micro, je vois Julian. Si, Julian. Moi, je vais faire deux demandes parce que je suis un peu stupéfait par certains faits et j'aimerais savoir des opinions. En principe, ce qui me stupéfie, c'est comment les États-Unis, qui sont dans la doctrine Monroe, donc leur cour derrière, c'est-à-dire leur patio trasero, était l'Amérique latine. Comment, à un moment donné, ils ont laissé que l'Amérique latine aille dans une autre direction. Et parce que maintenant, il semble qu'il n'y a pas seulement des mauvaises nouvelles. Le Mexique, non, maintenant, est dans la CETA, c'est-à-dire l'accord des États-Unis du Nord, Mexique, États-Unis et Canada, a été cassé. Il est cassé maintenant. Et on voit que, malgré tout, il y a, disons, des choses qui sont différentes. Et je suis tout à fait d'accord avec toute la vision qu'on a de cette Amérique latine qui a fait marche arrière, mais pas toutes les situations sont en marche arrière. Parce que avant, nous avions en Europe à traiter le TTIP. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à traiter quelque chose de moins fort,
c'est-à-dire les travaux avec le Canada, qui est malgré nous, n'est pas la même chose. En tout cas, ça ne veut rien dire, non? Mais en tout cas, c'est clair que, bon, il y a beaucoup de choses à faire, non? Cette médiation par les comités, etc., ça tâche de faire sortir un peu toute décision, tout conflit dans ces traités, non? Hors de la justice. Donc, c'est une façon de s'en sortir, non? Avec toutes les pressions. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous pensez que ça va donner la nomination de M. Borrell comme chargé des affaires étrangères, un espagnol, avec des, on suppose que des liens avec les Ribaquino, qu'est-ce que ça peut donner? I have only a short question. Is it possible to organize a protest movement against European Union and Mercosur in the same way as we have had the protest movements against TTIP? Is it possible to organize also in Latin America? And what is the role of the European Left Party? So both in the U.S., both in Europe and both in South America, the left finds itself in a difficult situation. So there is an important similarity or convergence here. And we have spoken about the things that work against the left, the legalization of politics, the presence of the U.S. in South America, right-wing media, owners and managers of capital, and so on. But I think we also need to consider the failures of the left itself, both in Europe and both in Latin America. So why is it that in times of hardship, you know, social hardship, material hardship, the left is still failing to capitalize on this, the left is failing to emerge as a credible force? And perhaps you could reflect on this, you know, looking at especially South America. Why, you know, has the pink tide collapsed? Why is there this right-wing populist moment in Latin America? And how has the left failed to live up to its task? Thanks. Moi, je crois qu'on doit essayer de réserver un petit peu la réunion, parce que nous avons plus ou moins une heure. Mais nous avons plus ou moins une heure. Dans cette heure-là, on doit essayer que Monica d'un côté et Miguel de l'autre parle au moins 10 minutes à la fin. Alors, je pense qu'on doit régresser un petit peu le débat. Si quelqu'un sait pourquoi la gauche fait des choses mal, qu'il nous le dise. Moi, je suis très confortable. Je préfère qu'on bosse, comment on doit les choses faire les filles. Je serais très confortable. Alors, j'adorerais que quelqu'un dans cette salle. Non, je ne suis pas en train de faire des choses. Je le dis très sérieusement. Moi, j'écoutais. N'importe ce que le monsieur a fait, je l'adore bien. Alors, mais après ça, je dois savoir si quelqu'un dans cette salle dit parce que vous êtes très populiste, parce que vous n'êtes pas tout à fait de gauche, parce que j'aimerais beaucoup je voudrais être courageuse et accepter la question et pas la répondre à nous, parce que ce n'est pas possible. Alors, si on sort dimanche,
parce que je pense que ça serait important avec cette question posée de pourquoi la gauche elle est comme ça. Je pense que d'ici à samedi, peut-être on peut le travailler, parce que maintenant, ça serait un peu compliqué. Alors, je vous demande avant des 20 minutes pour donner la parole à Miguel et à Monica, si c'est possible, de nous faire des questions concrètes. Parce que lui, il a parlé beaucoup de la Amérique latine, de la judicialisation, de la politique, de la démocratie. Il a parlé extrêmement bien, j'ajoute, des traités. On n'a pas parlé du traité de Mercosur. On n'a pas parlé de ça. Le traité de Mercosur, à ce moment-là, comme la loi que nous parlons, sont des choses, à ce moment-là, sur la table, évidemment. On n'a pas une autre possibilité dans cette université d'été de le faire, sauf si on était comme toujours qui conseille la merde. Et on a parlé de l'Amérique latine aussi. Alors, moi j'aimerais beaucoup que la façon que vous êtes dans la salle, si vous avez des questions concrètes sur Lula, sur les processus contre le Brésil, sur la situation en Amérique latine, vous les posez. Et si vous avez en plus des questions de PT, même s'ils sont du Mercosur, etc., que vous les fassiez. Alors, je vais vous donner 20 minutes et après ça, on va venir avec les réponses des deux camarades. On va finir le plénière. Alors, c'est à vous de prendre la parole. Bon, moi je vais commencer avec le camarade derrière, celui qui a parlé des ingrédients. Tout d'abord, je pense que vers la fin du XXe siècle, il y a eu un mouvement très puissant en Amérique latine partout. Et tout ce qui concerne les groupes, les ethnies, les Indiens, partout. Brésil, Pérou, Bolivie, la Bolivie, enfin, l'Équateur, Colombie. Moi, je trouve cela très, 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 très bien. Parce que pour nous, en Amérique latine, ce qui peut être le plus important, c'est la récupération de l'identité. Nous avons presque perdu notre identité. Et notre identité se trouve celle-là. Juste dans la culture de notre ancien peuple. Alors, ce mouvement-là, vers la fin du XXe siècle, c'était très très important pour nous. C'est ça que je considère. L'Équateur, c'était la récupération de tout. Toute la culture, de la danse, de la langue. L'Équateur, il y a 17 langues. Et nous, on s'entend bien. Et ça, c'est très important de permettre que tout le monde parle sa langue. Alors, moi j'ai arrivé un peu à comprendre tout ce qui se passe parce que, vous savez, c'est une sorte d'apartheid qui existe en Amérique latine par rapport aux ancêtres. Moi j'ai vécu 12 ans avec les Chouars parce que on m'a contacté pour m'installer des panneaux solaires, ce que je sais faire aussi. Pendant 12 ans, j'ai vécu avec les Chouars. Hein. Je me suis arrivé à comprendre ce qui se passe avec un peuple. Je pense qu'ils ont leur culture. C'est très bien de promouvoir leur culture. Mais par contre, il y a des petites choses qui sont très importantes de nourrir dans ces communautés. Il y a des choses par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Ils vont promouvoir l'éducation dans les deux langues. C'est très important. Et ça qu'on a fait pendant la révolution du Canada aussi. Mais par contre, on est là, politiquement, il y a des problèmes. Parce que, on va dire, la variété des positions politiques parmi les communautés indiennes, elle est très très différente. Vous pouvez dire, vous pouvez aller depuis la droite jusqu'à la gauche. Même dans la gauche, vous savez, par exemple, nous,